Hey les potes, c'est Bayzy, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une vidéo sur Minecraft Xbox One Edition. Donc je vous l'avais dit, vous aviez attendu certainement la reprise des vidéos Minecraft. Et donc voilà, ça m'a remotivé à le faire, d'avoir la Xbox One. Parce que il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités maintenant sur la Xbox One. Comme la console est plus puissante, rien que sur le chargement des niveaux des blocs. Au niveau des blocs, on voit 10 fois plus loin, les mondes sont, on peut les mettre en énorme, on peut les agrandir jusqu'à 36 fois, donc voilà, moi je l'ai pris en disquette, du coup j'ai trouvé que la disquette était vraiment super super belle, et donc voilà, ça me fait super plaisir, je vais refaire plein de vidéos Minecraft, ça m'a redonné la motivation, donc aujourd'hui on se retrouve sur mon nouveau monde qui va être dédié à YouTube, donc l'autre, j'ai essayé de le transférer, mais ça n'a pas marché, et je trouve que ça allait... Fallait vraiment que je change de monde, voilà, ça allait pas trop vous intéresser que je recontinue un même monde que vous connaissez depuis longtemps. Donc j'ai recréé un monde, j'ai un petit peu avancé, c'est sûr, donc ça met que c'est créé en mode créatif, c'est juste parce que je sais même pas pourquoi ça me l'a mis, parce que j'ai pas créé en mode créatif. Mais bon, c'est pas grave, donc on se retrouve dans ma maison. Je vous ferai la visite à peu près après, on va faire la visite après. On va mettre le jour, voilà, tout simplement. Donc voilà, les vidéos Minecraft prévues. Donc il y aura des vidéos sur mon monde créatif que j'espère vous allez vraiment kiffer, parce que je fais vraiment des créations bien sympas. Enfin, je trouve qu'elles sont sympas. C'est pas du grand art de Minecraft, mais je trouve que franchement je me débrouille pas mal en création sur mon monde créatif. Et donc il y aura des maps aventures, etc. J'essaierai de faire des Hunger Games avec les abonnés. Franchement, ça me ferait super plaisir de faire des Hunger Games avec vous. Des maps aventures, etc. Serait vraiment pas mal. Les maps aventures, c'est sûr. Les Hunger Games, c'est si vous répondez présent aux séries Minecraft, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, il y aurait à peu près trois grosses séries. La série créative où je monte mes créations, etc. en accéléré, parce que vous n'allez pas avoir des 40 minutes de je pose des blocs, etc. Il y aura ma série Minecraft où on va faire vraiment plein de choses. On va essayer de faire un serveur. Vous pourrez venir comme dans mon ancien monde si vous êtes sur Xbox One et si vous avez Minecraft, vous pourrez venir faire vos maisons sur mon monde. Ça me ferait super plaisir. Et donc en parallèle, il y aura bien entendu des Hunger Games, des maps aventures, etc. que je vais télécharger. Et j'espère que ce petit programme Minecraft va vous faire plaisir. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du Call of Duty et du GTA. On l'entend bien. Donc alors, il y a une petite araignée, on va la tuer. Voilà, j'ai oublié de mettre les écouteurs. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie. Mais je vais mettre les écouteurs pour avoir un petit peu de son. Excusez-moi, 2 secondes. Je suis désolé, franchement, de faire ça en vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va essayer de commencer. Je vais vous montrer un petit peu en détail le monde. Donc les mondes sont super jolis aussi. Quand ils spawnent, ils sont super jolis. Il y a beaucoup plus de relief, etc., que sur Xbox 360. Donc comme vous pouvez le voir, on voit 10 fois plus loin. Là-bas, il y a des montagnes super classe, etc. Donc on se retrouve devant ma maison. Ma maison, franchement, ça va être un gros... Je vais essayer de faire un petit peu, pas un building, mais un grand immeuble, parce que j'ai envie de faire ça. Je trouve que ça peut être sympa, etc. Dites-moi ce que vous pensez de ma maison aussi. Donc j'ai commencé les 2 étages pour que vous voyez à peu près. C'est comme un croquis, mais sauf qu'on va continuer. Donc sur les côtés, ça donne ça. Donc ça donne vraiment quelque chose de très classe. C'est une maison que j'avais pas l'habitude de faire. J'ai copié personne, hein. C'est une maison que j'avais pas l'habitude de faire en survie en général. De derrière, ça donne ça. Et donc voilà, donc j'ai spawn ici. Je me suis direct installé ici aussi. Donc là, c'est la mine. Je m'étais un petit peu installé là avant de faire ma maison. Donc là, c'est vraiment l'épisode présentation, l'épisode où je vais beaucoup parler. Donc je vais faire tous mes épisodes Minecraft en facecam. Je sais que ça se fait pas trop, mais moi j'ai envie de le faire. Ça pourrait apporter un petit truc de plus. Et je trouve vraiment ça un peu plus sympa. Donc je vais pas vous montrer la mine, bien entendu. C'est une mine, quoi. Je fais du minage optimisé, etc. Tout le monde le sait. Donc avec la nouvelle mise à jour, bien entendu. Il y a eu les chevaux, il y a beaucoup de chevaux dans les prairies. Bah, de toute façon, si un joueur Minecraft sait que dans les prairies il y a toujours beaucoup de vaches, etc. Et donc voilà, là c'est une petite plantation bien sympa. Donc voilà, je kiffe les carottes et les patates. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. J'en ai mis 2 rangées de 2, donc j'ai de quoi survivre. Et j'ai trouvé des citrouilles aussi, donc j'ai mis les citrouilles ici. Après derrière, bon, il n'y a rien de spécial, hein, j'ai vraiment rien créé, j'ai pas voulu trop jouer aussi sur le monde pour garder un petit peu des choses à faire. Donc là, j'ai mis de la canne à sucre, elles ont pas poussé toutes seules.
Bien entendu. Et donc voilà, on va continuer. Alors on va continuer le deuxième étage. Ah oui, je vous ai pas montré ça aussi. Là, ça va être un petit peu ma salle des coffres. Voilà, j'ai commencé à faire la salle des coffres. D'ailleurs, je vais un petit peu plus éclairer. Et on va agrandir dans un premier temps la salle des coffres. Et après, eh ben, on va agrandir. Après, je sais pas ce qu'on va faire. On va agrandir la maison aussi et tout. Voilà, c'est parti. On va agrandir la grande salle et je vous. Donc voilà, j'ai fini d'agrandir. C'est parti. Donc j'ai fini d'agrandir. On va mettre maintenant des planches de partout, enfin sur les murs, pour que ça fasse un petit peu plus classe, parce qu'on va pas laisser la bouse, etc. Donc je vais essayer franchement de créer une salle des coffres assez sympathique. Et vraiment très convivial, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est parti, donc je vais mettre ça de partout. Bon, je vais pas en mettre sur les angles parce que ça sert un peu à rien. Donc voilà, dans cette série Minecraft, c'est vraiment de l'aventure survie pure, mais en même temps on essaie de créer des choses. Donc j'espère que ce petit concept va vous plaire. Ça avait marché, ça avait bien marché avec ma série Yorkville. Donc je sais pas du tout comment cette série va s'appeler. Pour l'instant je vais mettre un nom bidon, peut-être que je changerai après, mais je sais pas, franchement je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée de nom de série, hein, le nom de la série que vous voulez, ça me fera super plaisir. Donc dans cet épisode on va plutôt s'attarder sur ma maison, bien entendu. Donc je vais juste enlever ça. On va plutôt s'attarder sur ma maison, sur faire des choses dans ma maison, etc. Et après je sais pas trop ce qu'on va faire. J'ai vraiment pas de programme défini. C'est vraiment pas un truc défini, quoi. C'est au feeling, comme ça, voilà. Là je vais mettre ça comme ça. Ça je le laisse comme ça. Donc je vais aller un petit peu prendre du bois. Je vais essayer de prendre du bois pour un petit peu plus de bois pour faire un petit peu plus de coffres. Donc là je sais même plus ce que j'avais dans le four. Ah oui, j'avais des chemins en pierre. Donc on va faire aussi les chemins en pierre classiques que je fais dans tous mes mondes. Parce que je trouve que ça fait vraiment classe. Donc la ville va s'étendre sur toute la superficie que je veux. Je vais essayer de faire des trucs classe avec l'eau, un petit port, etc. J'ai plein d'idées en tête, franchement j'ai vraiment plein d'idées pour Minecraft. Et j'espère que me suivre mes idées, ça va vous faire plaisir. Donc là plutôt je veux sur toute la plaine, je vais faire des maisons. Des maisons sur toute la plaine, etc. Après au fur et à mesure que ça avancera, bien entendu, ça fera plaisir. Ok, donc on va aller couper du bois. Je vais voir si j'ai quand même du bois en stock. Ouais, bah j'ai 31 de bois. Je sais pas si. Je vais certainement aller en couper. Mais je sais pas si ça va faire maintenant. Alors. On va essayer de faire plein de coffres. Donc je vais faire la blinde de coffres, écoutez. Voilà, comme ça au moins ça sera déjà fait. Je vais pas trop en faire non plus. Bah je vais tout faire, voilà. Hop, 16 coffres, je pense que ça ira. Donc je vais faire vraiment un coffre pour chaque truc, un coffre pour la bouffe, les minerais précieux, etc. Donc voilà, alors. Le sol aussi, il faudra que je le fasse, je sais pas en quoi le. Bah je vais le laisser. Je vais juste enlever ça, comme ça ça me fera un petit peu moins de travail. Je vais le laisser en pierre lisse. Hop. On va faire ça comme ça. On va laisser la pierre lisse. Bon, je voudrais pas qu'il y ait des monstres qui spawnent. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Alors, on va commencer peut-être par les côtés ici. Donc là, on va mettre ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si on met juste un coffre comme ça, en haut on peut pas l'ouvrir, il faut faire une petite ouverture. Comme ça, voilà. Et en haut, bah du coup, on peut ouvrir le coffre. Donc là, bah là je vais pas mettre de coffre parce que y a la mine tout simplement. Donc plutôt ma mine, j'avais l'ancienne mine que je vous ai montré à l'extérieur de ma maison. Plutôt la mine, je viendrai miner ici. Je ferai mon grand cratère, etc. Je crois même que je l'ai commencé dans l'autre. Et donc voilà, c'est mon système de minage à moi, c'est sympa. Alors c'est parti, on va en remettre là aussi. On va casser ça. On va essayer de prendre la bouse, voilà. Donc pour l'instant je vais faire que ça comme rangée, parce que déjà que je pense que ça ira bien, quoi, franchement. Déjà de faire ça comme rangée, je vais faire faut que j'aille prendre du bois tout simplement pour faut que j'aille prendre du bois, c'est pour les comment ça s'appelle, pour faire des panneaux. Je vais aller faire des panneaux, je sais pas si j'ai des haches sur moi. Si voilà. Je vais aller prendre du bois quand c'est la nuit. Ouais, bah allez, on va prendre du bois même si c'est la nuit. C'est pas très très grave. J'ai essayé de pas déboiser toute la partie
qui est à côté de ma maison. À chaque fois, j'essaie d'aller un petit peu plus loin pour que ça reste un petit peu naturel à côté de la baraque, quoi. Alors, c'est parti. On va essayer d'aller plus loin. Voilà. Bon, ça risque d'être. On va faire du PVP, je pense, hein. Il y aura certainement des monstres. Je vais pas aller peut-être. Non, je vais peut-être pas aller tout là-bas. Je vais m'attarder ici. Et donc voilà, franchement, ce qui fait plaisir, c'est que la console a vraiment plus de puissance. Les mondes sont énormes. Il faut savoir que les mondes sur 3.6 étaient vraiment légers. Parce que rien que mon terrain de baseball sur le monde créatif, et ben il prenait déjà beaucoup de gages sur le monde. Alors que là, franchement, là, je vais vraiment pouvoir me faire plaisir en monde créatif. Ça sera cool. Donc là, voilà, je vais prendre un stack de bois, je pense. Je suis pas sûr, je vais prendre un stack de bois. Je pense que ça ira bien. S'il y a des monstres, et bah bien entendu on les bute. Donc j'ai toujours mon petit skin wizard comme d'habitude. Oh putain, d'accord. J'ai toujours mon petit skin wizard comme d'habitude. Vous pouvez le voir ici. Donc voilà, c'est un skin assez sympa que je kiffe. C'est mon skin depuis que je joue à Minecraft sur la Xbox. Et donc voilà, aussi, j'ai pas trop envie de vous faire des vidéos Minecraft PC. Parce que c'est vrai que y a beaucoup de gens qui font des vidéos Minecraft PC. Même s'il y a plus, même s'il y a la possibilité de faire 10 fois plus de choses, je préfère franchement jouer sur la Xbox 300, la Xbox One, poser, etc. Et donc voilà, c'est toujours comme ça. Je vous ferai toujours des vidéos Minecraft. Elle est où? Je sens qu'elle va me faire flipper l'araignée. Elle est où? Je sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. Je vais juste essayer d'aller tuer le creeper. Parce que comme ça, au moins, ça sera fait. J'ai juste une épée en. Il faut savoir que j'ai pas trop miné. J'ai juste une épée en fer. Je minerai plutôt en off. Pour que ça soit un petit peu plus. Un petit peu plus tranquille. Parce que je vais pas miner pendant tout un épisode. Ça serait un petit peu con. Donc, alors, c'est parti. Je vais essayer un petit peu plus de m'intéresser à ce que je dis sur. Sur le jeu. Donc là, je sais pas combien j'ai de stacks. Je sais pas du tout. 43. Bon, bientôt. Je pense que encore une dizaine d'armes et ça serait bon. Ça sera bon. Donc je remets pas forcément les arbres, c'est vrai là, mais je pense que j'ai pas besoin de remettre les arbres. Si un jour la ville vient jusque là, et ben au moins comme ça, j'aurais pas à niquer des arbres. Alors hop, non, je vais pas niquer celui-là. Je pense que c'est bientôt fini. Donc il y a aussi des nouvelles musiques d'ambiance. C'est pas les mêmes musiques d'ambiance que sur la Xbox 360. J'ai découvert ça. C'est bon, c'est toujours des musiques de Minecraft, hein. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Des fois, il y a des gens qui peuvent dire que ça casse un petit peu les oreilles. C'est vrai que ça casse un peu les oreilles. Mais c'est pas mal quand même. Voilà. Alors c'est parti. Non, je pense que c'est fini là. Et bah c'est parfait. On a un stack. On va retourner à la maison, à la casbah, sans, enfin en essayant de pas se faire tuer par. Par tout ce qui est creeper, etc. Donc je suis avec le pack de textures naturelles, j'ai oublié de le dire. Cette aventure survie sera avec le pack de textures naturelles. Je trouve vraiment que c'est mieux ce pack de textures pour faire une aventure survie. Je trouve vraiment que ça amène un petit truc naturel, quoi. C'est un peu mieux que le pack normal. Ok, donc là c'est bon. Qu'est-ce que j'avais fait? Il fallait du. Ah oui, pour les. Il me fallait du bois pour les panneaux. Donc. Allez, on va faire les panneaux, c'est parti. Alors, bon, l'atelier, je vais le mettre. L'atelier, on va le mettre ici. Je vais en mettre un là, voilà. Et les panneaux, c'est parti. Je sais plus trop comment on fait les panneaux. Les panneaux, voilà. C'est là, 3. Ok, il faut ça. On va faire ça. Avec ça. C'est parti. Je sais pas, je pense que je vais faire une douzaine de panneaux. Je vais m'arrêter à 12, ouais, on verra bien déjà comment ça donne. Par contre, je vais enlever ça, du coup, je suis con. Donc, alors, ici, en haut, je pense que je vais mettre les précieux, minerais précieux. Allez, c'est parti. En haut, on va mettre minerais précieux. Je vais plutôt mettre en grand. Minerais. Minerais, voilà. Précieux. Minerais précieux. Ok, ça c'est fait. Alors après, minerais précieux, là on va mettre la bouffe, tiens. Alimentaire, on va mettre ça comme ça, alimentaire, je sais pas. Nourriture, je vais mettre alimentaire. C'est la même chose, on s'en fout un petit peu, voilà, on s'en fout des noms, c'est pas grave. Hop, aliment.
terre. Voilà, ça c'est fait. Alimentaire. Donc là, on va mettre tout ce qui est pierre. Pierre. Voilà, ça c'est comme ça. Pierre. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le bois. Le bois. Alors, il faut savoir que... Bah là, je vais le mettre là, voilà. Je vais le mettre ici, même si ça se verra pas trop. Bois. On va mettre tout ce qui est bois. Je mettrai même les feuillages, etc. Bois. On va mettre ça comme ça. On va englober tout dans le bois. Alors après, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Bonne question. Faudra que je fasse le plafond aussi. Parce que là, il y a un petit peu des trucs. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. En même temps que je réfléchis, je mine pas, voilà. Si vous voyez que je prends pas le charbon et tout, c'est vraiment que j'en ai pas besoin. Parce que j'en ai déjà assez. Voilà, hop. Même si le charbon est toujours bon à prendre, c'est vrai. Donc voilà, après je sais pas du tout ce que je pourrais faire d'autre comme truc. Si on peut mettre comment ça s'appelle, outil usé, voilà. On va mettre outil tout simplement. J'espère que je fais pas faute d'orthographe. Enfin, si j'en fais, excusez-moi, je suis pas un cotorep, je suis pas un secpa. Mais je sais pas pourquoi. Nourriture. Après, on a pensé à tout. Potions. On va mettre les trucs pour les potions. Donc. Qu'est-ce que. Potions. Je vais mettre juste potions. Comme ça, je saurai que dedans. Quand j'aurai créé mon. Le portail du Nether, etc. On ira farmer des blazes aussi. Je vous montrerai comment je farme des blazes. C'est une technique que je connais depuis longtemps et que j'avais fait dans mon autre monde sur Yorkville. Et donc voilà, bon, c'est tout. Ça on va le mettre dans bois, écoutez. Et on va aller, je rangerai plus tard les coffres. Hein, on va pas s'attarder sur les coffres, etc. Plutôt maintenant, on va faire un petit étage. On va faire un étage de. On va continuer un étage plutôt. De cette magnifique maison. Donc c'est parti. Pour l'étage, donc c'est très très simple. Donc là, sur les trois façades, je mets des vitres. Derrière, je mets juste un endroit. Derrière, je mets pas de vitres parce que c'est où il y a les escaliers. Ça serait un petit peu con de mettre des escaliers et des vitres. Donc entre chaque étage, je mets deux couches de cobble, donc de la pierre. Et après, c'est parti. Donc là, c'est l'étage, dites-vous. Je vais faire le sol déjà pour que vous voyez bien à peu près comment ça va se faire. Donc là, c'est tout le sol. Je vais essayer de faire le sol. Donc faut beaucoup de bois. C'est vrai, il faudra un petit peu moins de verre, mais il en faudra quand même. Faudra que j'aille beaucoup couper du bois. Hop. Donc là, on va faire l'étage. Merde. Dommage. Ça c'est fait. Donc dites-moi si vous préférez aussi. Je pourrais très bien enlever la facecam, hein, mais dites-moi si vous préférez avec ou sans facecam. Dites-moi vraiment. Parce que c'est à vous de voir. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Je veux vous faire plaisir sur ce point-là. Donc voilà. Hop, on va finir ça. Je vais mettre ça avec ça. Voilà, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Hop, voilà. Et voilà, on a fini le toit. Je vais essayer d'un petit peu éclairer. Donc après, pour ce qui est des côtés, je me souviens. Bon, toujours petit fail. il fallait qu'il y ait un fail dans ce petit épisode. Donc sur les côtés, je mets de la cobble, donc 3 de hauteur. On va faire ça sans. D'accord, je fail tout, c'est magnifique. On va essayer de faire ça sans tomber. D'abord, je vais prendre le verre. Je pense pas que je vais aller devoir en reprendre dans cet épisode. Donc voilà, je vais faire vraiment beaucoup d'étages, je sais pas pourquoi je vais faire ça, mais je vais le faire quand même. Je pense que ça peut vraiment faire classe. Et j'ai oublié encore un stack de cobble. Je vais en prendre un pour être sûr, au cas où, on sait jamais. Donc je vais un petit peu mettre ça là, à la zeub. Et je vais prendre ça, voilà. Allez, c'est parti. On va mettre les trucs de cobble. Donc là, c'est vraiment le repère. Moi, je fais vraiment ça par étapes. Je ferai toutes mes maisons, je fais ça par étapes de toute façon. Hop, voilà. Donc là, je fais les trois de chaque côté de la pièce. Enfin, de la maison, quoi. J'ai pas voulu faire trop grand aussi. Pour essayer de faire un petit peu une tour. Donc si vous vous demandez ce que c'est cette tour de cobble, c'était un repère que je me suis donné.
Donc ce qui est bien, c'est que à côté, juste à côté, j'ai le sable pour tout ce qui est si je veux faire des maisons en grès, etc. ou pour tout ce qui est vert. C'est vraiment pas mal d'avoir un biome sable, un biome désert à côté. Donc voilà, j'ai un petit peu tous les biomes autour de ma ville. Donc faut savoir que franchement, je préfère vraiment faire les maisons dans des plaines, biome plaine, excusez-moi. Et tout autour, bah regardez, là je pourrais faire des maisons en bois d'épissa parce que il y a tout le biome neige qui est à côté. Et donc voilà, comme la Xbox One est plus puissante, les biomes sont 10 fois plus grands, il y a vraiment moyen de faire beaucoup beaucoup de trucs. Donc voilà, il y a même les montagnes, voilà, à côté, il y a même les montagnes, voilà. Franchement, je suis tombé sur un endroit vraiment assez sympa. Donc voilà, après avoir fait avoir mis les colonnes en bois. À part ici, bien entendu, parce que ici, je m'en souviens plus, j'ai plus le repère, mais jusque là, voilà. Jusqu'ici, bon, on va mettre de la cobble. Hop, hop. On va essayer de faire ça bien. Merde, ok, c'est pas grave. Jusqu'ici, on va mettre de la cobble. Je vais voir si je me suis pas trompé. Eh ben non, c'est bon, je me suis pas trompé, c'est parfait. Et donc, oh, mais d'accord, des fails. C'est magnifique. Et donc ici, on va fermer par du bois. Hop, c'est pas grave hein, si je loupe des trucs. C'est vraiment pas grave du tout. Et donc, alors pour ce qui est d'ici, au milieu, bah, c'est tout simple. Je suis un peu con. J'allais dire au milieu, c'est tout simple. Mais non, c'est pas ça ce qu'on va faire. Je sais même plus en fait comment je l'ai fait. Je suis vachement pas intelligent. Donc là, voilà. Non, je sais, excusez-moi. Hop, comme ça. Donc ça, ici. Du coup, ça fait des colonnes assez sympas. Des colonnes de verre, donc je vais vous montrer. C'est vraiment basique comme maison, mais ça va faire quelque chose de classe, surtout quand ça va prendre de la hauteur, ça va faire vraiment quelque chose de pas mal. Et après, bah pour chaque côté, on va faire ça. Je vais juste me mettre des repères ici et là, donc c'est parti. Pour chaque côté, après c'est la routine quoi. On va faire ça, hop, comme ça. On va mettre le verre. Je pense que j'en aurai assez pour cet étage. Je pense que... Après, je trouve franchement que je sais pas si c'est avec la mise à jour ou je sais pas quoi, mais le jour tombe, la nuit tombe vraiment plus vite que d'habitude. Je sais pas du tout pourquoi. Aussi, faudra que je pense dans un prochain épisode à faire comment ça s'appelle? Les enclos. Faudrait que je pense à faire des enclos avec des moutons, etc. pour avoir un max de laine, etc. Donc là, ça va être basse. Là, c'est le troisième étage. Je vais mettre un atelier ici pour faire des. À part si j'ai pas besoin. Bon, on va voir tout de suite. Par contre, attendez 2 secondes. Là, je me suis un petit peu gouré. Faut que je mette encore un truc de chaîne. Donc là, normalement, c'est comme ça. Enfin, je pense que j'ai fait comme ça. Ok, donc 2. Et là, on commence là. Ok, bah c'est parti. Hop. Et donc là, voilà, bah j'ai même pas besoin de faire des supports pour mettre les trucs. C'est parfait. Et bah non, nous avons un problème. Non. Ne vous inquiétez pas, je suis un petit peu perdu, excusez-moi. Vous devez vous dire, d'accord, il crée sa maison, il sait même pas comment il doit la faire. C'est magnifique. Mais si, c'est bon. Donc là, on va mettre encore une couche de cobble. Pour que j'ai un petit peu mes repères, voilà. On va mettre encore un petit peu la couche de cobble par-ci, par-là. Donc les épisodes vont durer, je sais pas, 20-25 minutes à peu près à tout casser. Ça va pas être des épisodes de 30 minutes, je vais pas vous casser la tête avec ça. Et pour que ça, pour qu'il y ait un petit peu, pour que vous ayez envie de regarder le prochain épisode, ce qui se passe dans le prochain épisode. Objectif que je peux me donner aussi, il faut savoir que ça va être vraiment compliqué parce que les mondes sont 10 fois plus grands sur Xbox One. Si vous voulez, je pourrais faire une petite aventure pour essayer de trouver l'Ender et de battre le dragon. Bon, ça sera vraiment chaud, mais si vous voulez, on peut se faire une petite aventure comme ça. C'est à vous de me le dire dans les commentaires. Donc voilà, il y aura vraiment plein de choses que vous devez marquer dans les commentaires. Mais voilà, c'est vraiment vous qui décidez sur cette série. Et voilà, n'hésitez pas à venir dans le monde si vous avez la Xbox One avec Minecraft. Je vous accueillerai...
sympathiquement quoi. Hop, bah on va faire l'étage et on va se laisser sur ça. Alors on va finir l'étage, voilà, comme ça. Je vais juste faire le plancher. Je vais juste faire le plancher. Et après, on va se laisser sur ça. Hop. Donc pour le prochain épisode, certainement on refera un étage en version accélérée, parce que maintenant vous aurez vu à peu près les étages que j'ai, enfin les étages comment je les faisais, vous l'aurez à peu près vu. Et donc voilà, en accéléré bien entendu. C'est comme pour le mode créatif, je vais vous faire plein de constructions en accéléré. Ça sera cool. Je vais juste finir par mettre ça. 1, 2, 3. De chaque côté. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Donc aussi j'ai mis des citrouilles pour faire des tartes aux citrouilles. Je crois bien que ça se dit comme ça. Je sais pas du tout comment ça se dit, mais bon, c'est pas grave, c'est des tartes aux citrouilles quoi. Vous aurez compris. Je vais juste essayer d'un petit peu éclairer, comme ça il n'y aura pas de monstres qui vont spawn. Hop. Faudra que j'aille. Bon, pour le prochain épisode, franchement, je prendrai la blinde de trucs. Là, c'est un petit peu à la one again, a beast to fly. Mais je prendrai plus de trucs pour le prochain épisode. Donc, ouh putain. Bah là, j'ai fait beaucoup des tâches quand même. Voilà, je sais pas si j'ai des trucs au four. Et non, bah ça sera bon. Donc voilà, on a fini à peu près l'étage. Donc vous pourrez voir que ça fait. Dites-moi dans les commentaires, mais ça fait vraiment quelque chose de pas mal, d'assez classe, je trouve. Ça fait un petit immeuble bien sympa, paumé au milieu de rien du tout. D'accord, y a c'est qui me tape? Oups là, je vais t'avoir. Squelette. J'ai pas encore trop miné, du coup je peux pas vous dire si j'ai trouvé de mines abandonnées, etc. Parce que j'ai pas encore fait. Aussi, petit truc bien sympa, c'est que bah les flèches, je sais pas si vous pouvez la voir. Ah bah non, du coup la flèche aura disparu. Si, j'en ai une dans le pied en fait. Carrément, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'en ai une dans le pied. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, de derrière, ça donne ça aussi. Ça donne un truc pas mal. Je vais vous dire, je vais vous répéter ça tout le temps. Sur les côtés, je trouve que c'est vraiment le plus classe. Et donc voilà, bah moi j'espère que ce petit épisode, l'épisode 1 de la reprise des aventures survie vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. J'espère que de la reprise de Minecraft va vous faire énormément plaisir parce que pour moi je suis super motivé pour le faire, ça va me faire super plaisir de vous le faire aussi, etc. Donc bah moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace.